encore. Nous avons aussi convenu de tenir en marge de cette commission mixte un forum économique maroco-togolais en présence des hommes d'affaires des deux pays dans des secteurs prioritaires. Dans le cadre de nos discussions, nous nous sommes également mis d'accord sur l'engagement de discussions pour la semaine prochaine d'un accord d'exemption de visa pour les Togolais détenteurs de passeports ordinaires. Une bonne nouvelle pour vous, le Togo va ouvrir à Dakhla son consulat, un consulat général pour montrer, attester encore une fois de plus le lien très fort entre Sa Majesté le Président de la République togolaise. S'il vous plaît, applaudissez quand même. Je confirme tout ce que vient de dire mon frère, le ministre Nasser Bourita. Le niveau de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République togolaise est un niveau très élevé. Merci pour ne pas faire beaucoup de commentaires pour ce niveau de coopération, pour votre constante disponibilité. Je voudrais également remercier vos collaborateurs, vos collègues qui sont dans la salle, qui sont beaucoup plus togolais que marocains d'ailleurs, et qui travaillent sans cesse pour cela. Et je vous redonne la parole. Merci.